ici, je vais faire un peu grossièrement. Ok, entrée. Je ne m'arrête pas. Bon, je vais me placer. Voilà. Ça va ? Donc là, on voit bien que c'est pas le bras qui va bouger. On va emmener, on va tourner un peu ses jambes et on va tourner autour du poignet. Ça fait un grand mouvement. Ensuite, on va un peu. Alors après, il y a d'autres façons de faire. Hein. Quelquefois, on va chercher. Quand j'ai un déséquilibre ici, bah forcément, c'est le dos de la douleur. Je suis tellement bien placé, je passe. Et là, ça vous permet, pour vous débuter, de bien, bien placer vos appuis. Tu peux frapper un peu fort. Ok, ne pas venir chercher un blocage ici, mais bien, hein, bien monter. Il va tourner, c'est logique, mais ne tournez pas. Ok, la main sera pas là. La main sera là. Les hanches sont tournées, oui. Ça peut marcher avec la faiblesse, mais quand on est là, comme il y a quelque chose qui ne tombe pas, ça travaille avec l'autre main. Oui. Donc si on veut bien travailler avec les deux mains, on prend son temps. Donc, on prend son temps, on monte, on tourne, on prend ses appuis. Le dos, okay. On vient chercher ici. Donc on a tout fermé, donc on va pas. Okay. On va commencer à. Okay. On a fait le tête du théorie. On est monté. C'est le même mouvement. C'est la main qui passe au milieu. Et le catadoli même ici. Pareil. Ça, c'est la contrainte. Et on va descendre. Je ne peux pas me relever parce que si je m'enlève, je vais pas faire. Donc, je suis obligé de me protéger d'un genou. Avec cette main ici. Là, je suis protégé du genou. L'autre, il n'est pas important. Celui-là. Celui-là, il est. Voilà, merci. Donc, on se protège aussi là, donc c'est un peu idiot. Quand on est ici, donc, toute la technique se fait en gardant. Et tout est lié, ça marche. Okay. Donc, si on l'accélère, on a un mouvement. Ah, pardon, c'est une chose. Okay. Ça va nous couper. Donc, Yoko Menuchi, c'est très bien. Yoko Menuchi, on va venir saisir. Et se déplace. Soit je travaille sur son bras, il est pas malin, il va laisser la force là-dessus, il va tourner, il est pas malin. Il tourne, ok, ça marche. Soit, c'est moi qui aurai un mouvement où, déjà, mais, je ne cherche pas à l'emmener, moi je le place. Allez, donc on va rentrer ici, c'est pas lui qui va se placer, c'est moi qui le place. Et on va montrer, c'est tout ça qu'il faut travailler pour qu'on hein, ait toutes les facettes de l'action. Je suis tout seul. Ouvre la main. Hein, je vais monter. Ouvre la main. Ouvre la main. Ouvre la. Voilà. On va y arriver. Hein. Voilà. C'est juste comment. La même chose. On y va, ne bouge pas. T'es loin, t'es d'accord? Vas-y. C'est pas moi qui vais bouger. Moi, tu m'emmèneras. Tourne. Ah, il y a encore trop de volonté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui? On est là. Il a fait un balai. Bon, je suis loin. Ça n'a pas marché, ça. Je peux avancer. Je ne peux pas faire plus pour l'instant. Je ne peux pas faire plus. Maintenant, je serai un petit peu plus bas sur mes appuis. Je pourrais faire un petit peu plus. C'est la limite. Maintenant, lui, il est en train de bouger, il est en train d'avancer. Ah, bah là, je peux aller carrément plus. Mais c'est cette ouverture qui est importante sur ce mouvement-là. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Tu t'occupes pas de ma main. Tu t'en occupes. C'est comme rien. Tu fais des choses. Dans mon mouvement, ça je l'ai intégré. Voilà, je l'ai intégré. Thank you.
ça veut dire qu'à un moment, vous êtes... Je suis plutôt à l'aise. Hein, okay. Si je fais un changement d'appui pour être moins à l'aise, ben, ce n'était pas la peine. D'accord. Alors soit je reste dans mes bases, je suis toujours aussi à l'aise. Okay. J'ai fait un changement d'appui. Hein. C'est clair ce que j'explique? Oui. Allez, on va être à l'aise et puis ne plus l'être. Bon. Voilà. Je fais mon changement d'appui comme je l'ai dit tout à l'heure. Je cherche un petit peu une tangente. En fait, il n'y a plus personne devant, donc ce n'est pas la peine de continuer de travailler comme ça, ni avec la main devant, hein, mais plutôt avec le... Pour pas que vous fassiez d'erreur, et que vous ne retrouviez pas dans ces positions, je préfère vous faire passer devant. Vous engagez le mouvement, passez devant, ça vous permettra de garder la position. Ça marche, hein. L'erreur, c'est, pas que bien fort pour l'instant, c'est de venir à 90 degrés pour pousser quelque chose. Après, il y a des façons de faire, hein. Okay. Bien sûr. Hein. Bien, je vais vous le corriger. Enfin, le corriger, non, je vais vous le dire. Tout à fait de lit. Quand on était ce matin sur Chenadier, je vais vous expliquer ce placement. Vous êtes d'accord? C'est le même placement pour l'instant. Okay. Alors, très important, à comprendre, très fort. Voilà. Je vais faire ce que je vais faire parce que je ne peux pas faire autre chose. Si par exemple il dit je te tiens très très fort comme ça, il peut tenir aussi fort qu'il veut, je ne vois pas pourquoi j'irai me fatiguer sur les mains alors que. Mais, donc il y a une façon de se placer. Comme sur Katate de lui, il choisit un angle qui le protège et qui me protège en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur le Tédoli, même chose. Voilà. Donc il y a une contrainte. Voilà, c'est tout. À partir de là, je suis obligé de faire une construction. Hein, qui nous permet d'entrer. Dans le mouvement que j'ai fait, là, je vous montre, mais en fait, je ne suis pas à l'aise du tout. Hein. Okay. Parce que je n'ai pas d'extension dans le mouvement. Je n'ai pas cette sensation, parce que là, quand même, quand on force sur cette épaule, quand on la prêche, moi-même, je me mets des barrières. Hein. En fait, ça, c'est une grosse barrière. Okay. Donc, c'est bien. On va oublier pour vous, ok, tiens très fort. Ok, maintenant ce qu'il faut c'est l'extension. Ça c'est pas l'extension. L'extension c'est avoir une certaine liberté. Tiens. Et enfin, ça devient très intéressant parce que moi je vous l'ai déjà montré, tiens très fort. Quelquefois je veux de l'extension avant mais j'y arrive pas. Alors, on va l'extension ailleurs. On est toujours pareil sur le plan. Allez, à vous de travailler, changez ce pas de ça, je vais le garder. On se demande pourquoi on me perd les épaules. Hein. Allez, tiens. Bien. Ok. Alors, je peux tout à fait, par rapport à ça, bon, moi, je pousse un petit peu... Alors, ça construit, mais c'est un peu réducteur. Ok. Voilà. Moi, je suis toujours là, mais l'extension est là-bas. Ok. Ça bloque. C'est ça qui bloque. Hein. Ok. Maintenant, l'autre mouvement, extension. Ça me met le coude là. Ok, je ne vais pas chercher à le lever. Enfin, c'est... Tu prends un sac, tu le mets là, tu sais, tu mets ta tête un peu dessous. Tout à l'heure, tu étais... C'était la même chose.
Ah, c'est pas la même chose. Hein, parce que moi, là, je saisis avec deux doigts d'un côté, enfin, j'exagère, hein, et huit de l'autre, bah, il prend les deux doigts. Hein. C'est pour ça qu'on saisit avec 5 et 5. Là, elle est parfaite. 5 doigts, bah oui. Maintenant, la position, c'est le problème de la position, ça. Tu vois, là, ça me botte tout de suite. Donc, là, c'est pas ça. La position de la main reste la même. Après, c'est pas la main qui va monter, puisque là, tu as le pour ça que si tu prends ici, regarde. Tu es malin quand tu veux te bloquer, tu sais juste là. C'est pas grave, puisque tu t'en sers pas. L'idée, c'est qu'on veut toujours continuer à pousser avec cette main. Alors qu'en fait, il suffit de faire ça. Parce que c'est moi qui me mets la contrainte. Hein. Tu vois, là, ça, il change. Et puis il y a des trucs. Hein. Très fort. Hein. Comme ça, c'est une chose. Moi, je vais mettre ça à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir tourner ma main. Mais ça reste du truc. D'accord ? Ça marche. Mais est-ce que c'est structurant ? Non. Qu'est-ce qui te structure ? Et quel est le domaine du truc ? Donc, oui, tu peux aussi mettre là dans les yeux, c'est un truc.